ben oui, il y a un bébé. Ça, là, c'est parce que ta maman lui a dit qu'il avait engraissé, lui. Tu vois? Ah, c'est ça! C'est ça, oui! C'est une contre-attaque! Mec un petit peu, moi, allez! Ouais. Puis là, cette année, il dit, oh, je vais aller en acheter un autre parce qu'on est... Regarde, Eric, là, ça, c'est un chef-d'œuvre. Que j'ai fait. Oui, c'est ça, tiens, je regarde. Trouve, c'est vraiment oui. Artistique. C'est vraiment, j'ai mais... travaillé ça, ça m'a pris c'est la, 40 heures. C'est la seule chose que tu as réussi, mais c'est vrai, c'est déjà pas mal. Ça. 40 heures, Eric. 40 heures pour faire ça. Il y a plusieurs sortes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va plus parce que 40 heures d'ouvrage. Ça, c'est le rêve à Jeannette. Pouvoir taper dans le buffet. Le buffet frais. Francine qui commence par la soupe. Oui, tu vas essayer les deux soupes alors, Francine? Non. Non? Une soupe. Une? Oui. Ah, la soupe française, une crème de champignons. La deuxième rocaille. Tableau oui. À Louise. Oui, elle ne fait une aussi à mon père quand il était piéton. Puis... Oui. Non. Mais ça, c'est ma préférée, celle-là. On dirait Yannick avec le bonhomme de neige. Ah, il trouve ça là de Yannick. Ben, ouais. Ben c'est ça. Est-ce que jamais elle a fait des cartes de souhait avec chemin ça? Chemin dans non, la forêt. Non, c'est elle. Achetée qu'elle a décidé. Je sais. Mais ça aurait été oh, excuse. Non, non, c'est parce qu'elle demandait si elle avait. Ça sera bon, ça. Tout le monde a acheté ça. Ah! Oh, ça vous fait des beaux souvenirs? Oui, oui, c'est sûr. Avec les Allemandiennes. Ah, oh, c'est une fois que tu finis là. Oh, celle-là, tu vas vouloir la filmer, celle-là. Ah! Regarde le sourire. Oui, c'est ça. Non, moi, c'est parce que j'ai pas d'idée. Je prends des cartes que je vois. Puis tu t'inspires. Oui. Okay. Tu n'as pas vu celle aux galeries, je t'ai dit, hein? Non, je le garde des pots. Il va se me passer. Il vient faire au gars qui vient couper les cheveux. Oui, c'est vrai. Puis, j'ai vendu. Parce que à qui je l'avais donné, le directeur général, il est parti. Ah, oh, ben okay. Est-ce qu'il fait des expositions? J'ai acheté. Mais j'ai dit non, c'est à mon garçon que je n'ai pas. Ce que tu as vendu, est-ce que tu as pris au moins la photo? Comme ça. Il est impressionnant, là, Pascal. Il joue au golf. Assez proche. Voyons donc. Ouais. Non, fais un autre, oui, oui. Je veux faire déjà les deux miennes, puis après je ferai la troisième. Okay. Là, si tu l'as faite. Celle-ci, tu l'as faite. Je pense, hein, les
décoration florale extraordinaire. Tout à la fois. Non, le souhait de rester en tatin. Voilà, c'est un secret, tu ne le dis pas. C'est un secret. Là. Voilà. Un, tu nous dis quand tu finis ton souhait. Je pense que c'est un, deux, trois. Quand tous les saints iront au ciel, oh, oui, j'essaierai de les nommer. Quand tous les saints iront au ciel. C'est longtemps, on a fait les années pour s'asseoir. Je croyais que tu mangeais avec une baguette. C'est 2 ans qu'on n'a pas vu. Ah bon? C'est à l'église. Lorsque votre fils, lorsque votre grand garçon Eric était garde pontifical, est-ce que vous étiez fier de lui en uniforme? Parce que l'uniforme est joli, hein, déjà. Ah oui, l'uniforme des gardes. Il a beaucoup aimé son séjour là. Oui, mais voilà, il n'est pas catholique, alors il ne pouvait pas y aller. Ah, il n'est pas catholique, lui? Il n'y a pas besoin d'être catholique pour être garde pontifical? Si. Ah, je pourrais pas être, moi, garde pontifical? Non, encore un costume que tu pourras pas mettre. C'est bon. Un uniforme, une croix dessus. Ma famille, il y a 300 ans, habitait la Suisse. Ah oui? Mm-hmm. Ah, il y a 300 ans. À peu près. Avant la Révolution française. Ah. Ils étaient en Normandie, protestants, avec les histoires avec Louis XIV, hein, ils se sont exilés en Suisse. Mais ça avait ma famille aussi. Elle venait d'où avant? En France, elle était française. Ah oui? Et puis avec les problèmes avec Louis XIV. Oui, ils sont venus en Suisse. Voilà. Alors, ils sont... Il y a des révélations qui sortent. Peut-être qu'ils viennent de la même famille. Il y a beaucoup de Suisses, parce qu'on habite près de la frontière française. Oui, c'est pas loin. Alors, c'était les Huguenots qui sont venus. Oui.